Clair, là. Avec moi. Mais tout d'abord, avant de donner une réaction, c'est d'abord remercier le ministre qui est venu nous, Duduka, qui est venu accompagner l'équipe pour nous souhaiter un bon voyage. Et au nom de la fédération, au nom des joueurs, je tenais vraiment à le remercier de ce geste. Dire aussi, je l'ai déjà fait en conférence de presse la dernière fois vendredi, bien sûr, faire un appel vraiment à tous les Sénégalais partout où ils sont, que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur de ce pays, de se mobiliser derrière cette équipe. On a besoin de leur prière, que de la même façon qu'ils l'ont fait à la dernière CAN, qui est l'union des cœurs, et que les prières vraiment vont à l'endroit des Lions pour qu'on aille justement représenter le Sénégal et le représenter dignement. Et quelles sont les dernières nouvelles pour notre Sadio Mané national? Non, pour l'instant, je crois que c'est d'abord le ministre qui est venu nous dire au revoir. On va s'arrêter sur ça. Je crois que c'est une cérémonie qui va vers ça, qui accompagne les Lions. Sadio Mané, on parlera de ça un peu plus tard. Mais donc, ce qu'on peut dire seulement, c'est que nous sommes très heureux que le ministre soit avec nous pour nous accompagner. Vous nous appelez aux prières et à l'union des cœurs, donc pour un bon résultat dans cette Coupe du Monde. Inch'Allah, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire de tout cet espoir-là que les supporters ont en nous, qu'on soit digne de ça et qu'on soit ponctuel à ce début de compétition qui est une compétition très difficile. Certes, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'accumulation des expériences et différentes CAN qu'on a eues, on est mieux armé et on a appris aussi à faire face à ces envergures, à ces défis d'envergure. Tout à fait, je crois qu'aujourd'hui, pour un compétiteur, ce qui est important, c'est d'aller dans ces compétitions-là pour essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Je crois que oui, nous nous sommes bien préparés. Ce n'est pas seulement depuis 3 mois qu'on s'est préparé, mais j'ai envie de dire depuis 4 ans, nous préparons tous cette CAN-là, la fédération, les joueurs, les ministères. Donc aujourd'hui, on est à quelques heures de ce déplacement. Donc nous sommes très fiers de pouvoir aller représenter dignement notre pays et notre continent. De ce déplacement avec Air Sénégal qui réitère aujourd'hui son accompagnement au Lion du Sénégal. Tout à fait. Je crois que cette collaboration entre Air Sénégal et l'équipe nationale du Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis pratiquement 2 ans ou 3 ans. Nous les remercions pour ça et je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, une équipe comme celle du Sénégal, l'équipe de football ou bien une autre équipe, en tout cas qui représente le pays, soit aujourd'hui transporté et amené par Air Sénégal.